Dans cette chanson, je vais décrire plusieurs situations qu'on peut être tous amenés à traverser, à vivre dans l'église ou ailleurs. Et je pense que dans chacune de ces situations, Dieu nous appelle à refixer les yeux sur lui. Refixer les yeux sur Jésus, ça veut dire regarder aux choses spirituelles avant de regarder aux choses matérielles, humaines, les choses de ce monde. Parce qu'il y a une réalité spirituelle. Et il y a un récit de la Bible qui nous parle de ça, c'est le récit d'Élisée. Toute une armée était venue pour l'arrêter, mais lui, il n'avait pas peur. Pourtant, toute une armée était là. Et son serviteur qui était avec Élisée, lui dit, mais pourquoi t'as pas peur? Ces choses-là, ils vont tous nous défoncer, tout ça, et il avait peur. Mais Élisée, lui, il était serein. Il a prié Dieu, il a dit, Seigneur Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Et le serviteur a vu autour de lui une armée d'anges. Amen. Ce récit nous apprend à regarder les choses spirituelles. On ne voit pas les anges, on ne voit pas forcément les démons, mais cette réalité existe. Il y a un Dieu qui est près de nous à chaque instant. Même si on ne le voit pas, même si toutes les circonstances qu'on traverse nous disent l'inverse, il y a un Dieu qui est là à chaque instant, qui prend soin de nous. Et c'est ça, refixer les yeux sur Jésus-Christ. C'est se rappeler qu'il est là, se rappeler de ce qu'il a fait pour nous, de sa mort, de sa résurrection, et le prendre aussi comme exemple, parce que Jésus nous a montré la marche à suivre, il nous a montré une vie parfaite, il a fait preuve d'obéissance, de foi, de persévérance, d'humilité. Il n'avait aucune raison d'être humble, mais il a fait preuve d'humilité pour être un exemple pour nous. Alors je vous invite à refixer les yeux sur Jésus-Christ, qu'on puisse tous se rappeler de ce qu'il a fait pour nous, et le prendre comme exemple dans nos vies. Écoute, il faut pas que...
Mais Seigneur, tu te révèles dans ma faiblesse et ta grâce.